Thomas Tuchel critique le PSG, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thomas Tuchel. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est on est parti. Alors, vous savez que Thomas Tuchel a été entraîneur du PSG, du coup, donc, il n'a pas apprécié la manière dont le PSG l'a viré. Pour moi, c'est pour ça qu'il s'en prend au PSG, les gars. Il n'a pas apprécié la manière dont le PSG l'a viré. Parce qu'il faut le souligner, le PSG l'a viré comme un malpropre. Hein? Comme un malpropre. Je pense que c'était en milieu de saison. C'était en milieu de saison. Du coup, on n'a pas apprécié. Quand il trouve un moyen d'envoyer des piques au PSG, il envoie des piques. Il envoie des piques sans hésiter. Parce que le PSG, c'est une équipe dont les entraîneurs ne portent pas trop le PSG dans les cœurs. Les Pochettino. Allez demander à Pochettino. Tu penses que si Pochettino trouve le moyen de piquer le PSG, il va piquer. Tous ces grands clubs, les Calanchoti, ils ne portent pas le PSG dans les cœurs. Parce que le PSG ne gère pas bien les entraîneurs. Il traite mal les entraîneurs. On les vit comme si c'était des chiens. On les vit comme si c'était des chiens. Et du coup, donc, ça n'a pas plu à Thomas Tuchel. Donc, s'il trouve un moyen de piquer le PSG, il ne va pas hésiter. Donc, moi, je pense que Thomas Tuchel a mal pris le fait que le PSG l'a limogé comme un malpropre. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.